Même s'ils ont perdu, moi je suis fier d'eux parce qu'ils ont joué. Et là, moi je leur dis chapeau. Et j'espère que le gouvernement en place va encore travailler plus pour que les prochains matchs qu'on aura, le Bénin va faire mieux que ça. Donc allez les écureuils. C'est une belle performance des écureuils d'être allé jusqu'en quart de finale. Mais mon souhait et mon désir le plus profond aurait été qu'on élimine les Sénégalais. Parce que cette équipe du Sénégal, bon, je la trouve pas extraordinaire. Mais bon, il faut aussi être philosophe. Et la compétition continue. Mais je crois que maintenant, le football béninois a décollé. Et c'est un bon décollage. Et bon, je crois que ça va durer longtemps. Je suis à l'aéroport, mais ma prière sera que cette équipe des écureuils aille à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Je ne suis pas découragé. Je remercie beaucoup Dieu. Parce que si tu connais quelque chose, on met petit à petit dans la version personnelle. Parce que les écureuils, ils n'ont pas venu le niveau qu'ils sont venus. Comment, moi là, je n'étais pas aimé les écureuils avant. Mais c'est à cause des écureuils que moi j'ai sorti encore que j'ai commencé mon ambiance. Je pense que c'est bien, il y a de l'espoir pour la prochaine fois. Le Bénin a beaucoup fait. Jusqu'à arriver en quart de finale, c'est très bien. Moi, je serai à l'aéroport pour les accueillir, pour les féliciter, qu'ils ont beaucoup fait, ils ont vraiment beaucoup fait. Je suis très très contente parce qu'on ne s'attendait pas à arriver là. C'était inattendu et là nous sommes satisfaits. Vous voyez là on vient de perdre un match mais il n'y a pas, vous ne lisez pas le découragement parce que déjà tout le parcours qui est fait, après nous sortons face au Sénégal juste 1-0, je crois que c'est un exploit et les écureuils méritent qu'on leur fasse une coupe spéciale au même titre que la Coupe d'Afrique et qu'une fois à Cotonou qu'on leur remette une coupe. La Coupe béninoise qui représentera la Coupe d'Afrique, parce que là nous sommes fiers. À l'arrivée, on les accueille déjà avec une haie d'honneur qui quitte de l'aéroport à la présidence, parce que je suppose qu'ils iront à la présidence, qui quitte de l'aéroport à la présidence et qu'ils soulèvent cette coupe et que nous soyons derrière eux pour les motiver. Nous sommes très fiers aujourd'hui, très fiers. Fiers d'être béninois, puisque pour la première fois, comme les gens le disent, c'est une participation historique. Alors les enfants, ils ont représenté dignement le Bénin et je les félicite vraiment. Ça motive, et il faut qu'on les encourage à aller de loin. Le temps de constater à l'aéroport, j'y serai moi-même. Primo, je ne suis pas déçu de nos joueurs béninois. Je suis très content d'eux, je suis fier d'eux. Ils sont à féliciter. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois que le meilleur reste à venir. Et nous devons quand même les féliciter, les femmes du Bénin, les supporters du Bénin. Félicitations à vous et que Dieu nous garde. À la prochaine.